Paris 7 000 diazotes qui jamais une grande meeting comme ça le premier maire de la région. Tous les deux ensemble, nous ressoudés.
La mer est une manifestation culturelle, historique, littéraire, gastronomique, sportive et aussi en même temps de la mode. Nous aurons donc ici, à l'île Maurice, au mois de septembre, octobre et novembre, un faisceau de manifestations, un faisceau d'artistes et en même temps la participation de tous les pays qui auront contribué à l'histoire de l'île Maurice. Tous ces pays vont contribuer à faire de cette manifestation une manifestation historique qui se renouvellera tous les deux ans ou tous les trois ans, mais qui aura placé l'île Maurice dans un créneau tel que le carnaval de Rio ou le festival de Cannes. Voilà le but donc de ce festival de la mer. Ah, bonsoir monsieur le ministre. Bonsoir Guy Lux. Merci d'être parmi nous ce soir, d'avoir fait quand même ce long voyage pour être dans cette dernière émission. Je voudrais vous poser une question. Le décor est plat, on parle pratiquement le français partout. Vous le parlez d'ailleurs merveilleusement, vous en êtes un exemple. Et c'est d'ailleurs pourquoi je pense que vous allez y accueillir de très nombreux touristes français à l'occasion des fêtes de la mer qui s'étendent sur 3 mois, je crois, dans votre île. Et dont vous allez nous parler rapidement. Deux mois, mais nous avons quand même la dizaine française. C'est merveilleux, une dizaine, c'est comme les chapelets. La dizaine française, nous accueillerons Mireille Mathieu, Johnny Hallyday, Chantal Goya. Et hier, ce matin, Sheila a confirmé qu'elle venait. Ce sera merveilleux. Et peut-être Michael Jackson. Oh là, et Michel Sardou vient de me promettre de venir. Oui, vous n'avez pas fait le détour pour rien. Exactement. Et Michel Sardou, c'est quand même la vedette préférée. Il est venu ici, moi, quand il est venu ici, Patrick. Il m'a dit, moi, je viens pour voir Patrick, pour voir Michel Sardou. Il n'a pas vu, mais il n'a pas écouté dans son show, mais il l'a quand même vu et il est content. Je crois qu'effectivement, nous l'accueillerons dans une prochaine émission. Alors, vous nous faites l'amitié, je crois, pour justement deux touristes français nous offrir un voyage à l'île Maurice. Parfaitement. Et nous mettrons en jeu à la fin. Et le meilleur moment de venir à l'île Maurice, vous savez que c'est quand ? C'est quand je suis là. Vous y êtes souvent, fort heureusement. Bon, eh bien, je crois que je vous remercie mille fois. Nous allons applaudir, monsieur le président. Gaëtan Duval, vice-premier ministre de l'île Maurice, qui nous a amené un peu de son soleil. On en a bien besoin en France en ce moment. Et de son exotisme, merci François de la Nadurien. Alors nous nous retrouverons tout à l'heure au moment des derniers tours de roue pour voir à qui va être attribué ce voyage. J'espère qu'il sera gagné. Voilà. Et nous retrouvons deux de nos jeunes. Tandis qu'à Maurice, c'est encore un des seuls pays où vous êtes accueillis aimablement, où on vous répond gentiment, où si vous demandez votre chemin, on pousse la gentillesse jusqu'à vous accompagner jusqu'au lieu où vous voulez aller. Et je veux que ça reste comme ça.